Correction d'un exercice du site CopMath que vous pouvez retrouver en ligne, correspondant au critère 4C21, donc de quatrième, additionner ou soustraire des nombres relatifs en écriture fractionnaire. Et on me demande de calculer et de donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée du calcul moins 8 sur 6 plus moins 4, 21e. Avant de commencer le calcul, la première chose est de repérer l'opération en présence et on observe qu'il y a donc une addition. Vous devez connaître votre cours et vous devez savoir que pour additionner ou soustraire deux nombres en écriture fractionnaire, il faut les réduire au même dénominateur. Ce n'est pas le cas ici. On a donc moins 8 sur 6 et moins 4 sur 21. Les deux dénominateurs sont différents. Pour pouvoir opérer l'addition, il faut donc placer les deux fractions au même dénominateur. Pour les placer au même dénominateur, nous allons chercher des dénominateurs communs. 21 n'est pas un multiple de 6, donc cherchons le multiple suivant de 21, c'est-à-dire 42. Est-ce que 42 est un multiple de 6? Eh bien oui, puisque 6 fois 7 est égal à 42. Du coup, pour opérer cette addition, le plus simple sera de placer les deux fractions en 42e. Le calcul proposé est donc égal à moins 8 fois 7 sur 6 fois 7. On a multiplié par 7 la première fraction, numérateur et dénominateur. On n'a donc pas changé la valeur du nombre. Plus moins 4 fois 2 sur 21 fois 2. On a multiplié la deuxième fraction par 2, numérateur et dénominateur, ce qui ne change pas sa valeur. Moins 8 fois 7, cela va faire moins 56, et 6 fois 7, 42, et la deuxième fraction, moins 4 fois 2, moins 8, 21 fois 2, 42. On a donc maintenant les deux fractions exactement au même dénominateur, 42e, et la propriété nous disait qu'alors, dans cette situation, il faut ajouter ou soustraire les numérateurs en gardant le dénominateur. Cette fraction va donc être avec toujours 42 au dénominateur, et au numérateur, nous allons opérer moins 56 plus moins 8, c'est-à-dire directement moins 8. Moins 56 moins 8, cela va faire moins 64 sur 42. L'énoncé me demande de donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée. 64 et 42 sont tous les deux des nombres pairs, donc des multiples de 2. On peut écrire 64. 32 fois 2, et 42 peut s'écrire 21 multiplié par 2. 2 est donc en facteur au numérateur et au dénominateur, on peut simplifier par 2 la fraction, qui est donc égale à moins 32 21e. Cette fraction ne peut plus se simplifier puisque 21 n'a pas d'autre diviseur que 3 et 7, autre que 1 et lui-même, et donc ces diviseurs-là ne divisant pas 32, le résultat final est moins 32 21e. Retrouvez d'autres exercices équivalents à celui-ci générés aléatoirement avec leur correction sur le site copmath.fr. Bon courage.